Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Days Gone. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. On va retourner voir le poteau, hein, le Bowser. C'est plus Bowser hein, que Bowser. Bon, il y a plein de vilains un peu partout. On va essayer de faire gaffe. Je sais pas pourquoi je passe là. C'est carrément dangereux, c'est un peu stupide. Ah, le bro là, il est fatigué, hein. Il a toujours son bras qui lui fait mal, il va falloir voir. C'est un peu notre solaire, nous, quoi. À part le fait qu'il m'aide pas, finalement. Oh, je suis passé, moi. Ça tombe bien, on va faire un peu d'essence en même temps. Récupérer quelques balles. Ah, j'ai besoin d'essence. Oui. Je monte dessus? L'utiliser? Ouais. Très bien. Et voilà. Oui, c'était juste. Hein. Ça doit le faire. Alors, durabilité, c'est beaucoup plus élevé. Par contre, ça, au niveau des dégâts, c'est tout pourri. Maintenant, je préfère tout de même la durabilité. Toujours besoin de ferraille. Exactement. On prend. Toi, tu vas bien me servir. En parlant de ça, est-ce que je pourrais pas... ouais, voilà. Ah mais ouais, mais j'aurais peut-être pu faire autre chose, effectivement. Ah, trop tard. Regardez les pointes alors, mais trop tard. J'aurais pu mettre les lames dedans. On récupère tout ce qu'il faut. Alors Bowser, qu'est-ce que tu racontes? Hé, hey, Boseman, j'ai ramené de la viande. Ça devrait nous tenir un moment. Salut Dick, merci. J'ai pas très faim là tout de suite. Je salerai la viande un peu plus tard. Je suis qu'à 41%, hein. Il est pas... Il est pas sauvé, hein. Oh, on va dormir. J'ai juste fermé un peu les yeux. Je pense que c'est bon. Bon alors Bowser, c'est tout ce que tu racontais là. Il te fallait de la viande et puis c'est tout. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on a?
Ça, c'est quoi là-bas? Exterminer encore des trucs. On a 3 nids à détruire. Là, rien. Par contre, j'ai une quête ici. Saine et sauve. C'est un petit voyage rapide, on va continuer ici. J'aurais vraiment bien boosté un petit peu ma répute ici hein, pour pouvoir avoir des armes un peu plus conséquentes. Allez, ouvrez! Allez, ouvrez! Ouvrez-les. Bien sûr, tu m'as déjà vu. Ça va bien? Quelle nouvelle par ici? Alors, elle est arrivée ici. Comment ça va, petite? Il me laisse pas partir. Pourquoi tu veux partir? T'es à l'abri ici. Je dois travailler. Ok. Ok. Oh mais c'est fou, hein. Il me reste encore quasi rien, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, elle a défendu corps et âme, c'était la fille de la voisine, bref. Au final, effectivement, le type, il a un flingue. Que tu veux. J'aurais bien parlé à Ada, mais je peux pas. Je sais pas pourquoi. Bon. Mais je répète impossible, trop de proches. Bah oui, tu peux donner. Ada Tucker. Pourquoi je peux pas lui parler à Ada Tucker? Je vais essayer de m'écarter un petit peu et revenir. Hé hey, retourne bosser. Hé hey, ouais. Retourne bosser. Hé hey, non, 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 arrête. Je m'y mets. Merde. Arrête ça. Oula, oh, et on. Contente-toi de faire ton boulot, ils te laisseront tranquille. Ouais, je la ramène là, je sais pas pourquoi, moi. Je peux t'aider? Ça m'énerve, je suis sûr que je peux lui parler et... Alors je sais qu'il y a aucun job disponible, mais je vois pas pourquoi il y a cette possibilité de lui parler, alors. Bon. On va regarder les quêtes, parce que là... scénario... Ah, j'ai plus que l'infestation. Fouiller une unité médicale mobile du Nero. On va aller faire ça. Mais elle est où l'unité médicale mobile du Nero? Auto pas trop éloigné, ben non, c'est parce qu'il va falloir que je récupère de l'essence. Ça c'est quoi? Checkpoint Nero, ah c'est celui-là, d'accord. T'es là pour ta moto? Eh, je regarde juste. Ah, ça sent la panne sèche. M'étonne. N'hésite pas à revenir. A plus. Attends, je vais t'ouvrir. On va aller faire ça. Je
500 mètres, c'est pas si loin. C'était fermé ici avant, non? Je me demande où je confonds. Hein. C'est encore possible. Dick, Dieu merci. Il faut que tu te lances à sa poursuite, il s'échappe. À la poursuite de qui, Tuck? Ralentis. C'est Roach. Roach, tu te connais. Il roulait avec Léon et Alvarez. Ici. Mais je fais confiance. Oh putain, Tuck, t'aurais pas dû. Oui, il s'est tiré vers le nord avec nos médocs. Mes gars l'ont perdu aux alentours de Marion Falls. Non. Ok, je vais essayer de le retrouver. Pourquoi? Pourquoi je peux pas frapper, là? Il doit renoncer. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il veut, il frappe pas, là? J'avais bien une batte de baseball, pourtant. Ah ouais, bah ouais, mais alors là, il m'a fait n'importe quoi, Dick. Écoute, mon vieux, qu'on parle. On va déjà... Allez, dégage-toi. On va aller s'entraîner ici un peu, là. Ah, je vais pas pouvoir frapper ici, bien sûr. Salut, t'as besoin de quoi? Bon, ce que je trouve aussi, c'est que... à chaque fois, ils viennent nous parler, mais dans des moments importants, quoi. Là, j'ai pas vraiment à penser au fait de... ramener je ne sais qui. Ouais, bah oui, bah... voilà. Ça marche nickel. Non mais j'avais gardé mon couteau, c'était de ma faute. Mais je comprends pas pourquoi j'ai mis tant de temps à esquiver, surtout à me mettre à frapper en fait. Bon, si tu veux me parler maintenant, n'hésite pas, Tucker. Parce que ton histoire là de pote qui a disparu, j'ai rien compris. Ils sont là. Et lui, je l'ai vu par là-bas, lui. C'est plus d'où il venait le truc. On va essayer de passer par là, parce que ici c'est l'entrée. On va essayer de passer par ici. Ok. Ok, c'est bon. Saloperie. Je sais où
Putain, mais... C'est dingue. Tig, Dieu merci. Il faut que tu te lances à sa poursuite, il s'échappe. La poursuite de qui, Tuck? Ralentis. C'est Roach. Roach, tu te connais. Il roulait avec Léon et Alvarez. Mais je lui faisais confiance. Oh putain, Tuck, t'aurais pas dû. Oui, il s'est tiré vers le nord avec nos Médocs. Mes gars l'ont perdu aux alentours de Marion Fox. Marion Fox? Okay, je vais essayer de le retrouver. Il s'est tiré où? Site de recherche du numéro ici. Ah, il est là, il est carrément pas au bon endroit. On va d'abord s'occuper de ça, Tuck. Hein. Ça ne te dérange pas. C'est bon. Parce que tu as peur. Je suis un peu stupide parce que j'ai essayé de les marquer avec mon flingue. Ce qui n'est carrément pas malin. On va recommencer, hein. On va essayer de tous se les marquer, tranquille. Et cette fois-ci... Ah, tiens, on va. De toute façon, ça va pas être joyeux. J'ai beaucoup de munitions. Et j'en fais pas si mal que ça en plus. Tranquille. On va essayer de passer par là. Voir un peu ce que ça donne. S'approcher, ils sont pas à 150 là-dedans. Ça doit être faisable.
chercher quelques munitions en plus. Putain de Reaper. Je vais tous vous buter. Ici ! Jusqu'au dernier. On va tirer dessus ! Ouvrez le feu ! Il est libre ! Faut qu'on se replie. Là-bas. Tu meurs, oui. Putain de Reaper, comme il dit, ouais. Effectivement. Ouais. Pas de courant, bien sûr. Voilà le générateur. Alors là, le problème, c'est que je pense que ça va s'ouvrir à tous les coups. Je le sens pas du tout, ça. Quand je vais démarrer le jus, ça va s'ouvrir à tous les coups. On va prévoir. Parce que... aucune confiance en ces trucs-là, moi. Ça peut m'être utile. C'est le jour qui se couche là déjà. On a combien de bâtiments là? Là-dedans, il n'y en aura pas d'autres. L'idée saugrenue de garder que des jambes. Ah, on fait le marché, hein. On est obligé. J'ai vu le générateur, certes, le voilà, mais je suis pas sûr qu'il ait du jus. On va voir. Oui, ça m'aurait étonné. Ça, c'est peut-être quoi, un peu plus intéressant, ça. Non. Je vais garder ma batte. J'ai pas d'essence, ouais, effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'essence ici là? Un bidon d'essence. Pour brûler les corps.
Et voilà. Ça devrait le faire. Foutu. Mince. Et donc, je répare. Putain, qui traverse la route. T'es peur, ouais. Ça aurait été une mauvaise idée. Tu sais quoi, ça l'est toujours. Voilà, on est sur la bonne voie. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. C'est là-bas. On a faim. Ça t'a plu ? Les opposants aux officiers du Néron seront abattus. C'est notre seul avertissement. Restez dans les zones désignées. Si vous êtes dans un véhicule, restez... Opération. On en a un autre là-bas. On va les couper hein, par sécurité. Ouais, il y a déjà du monde. Ah, mais toi non plus, c'est pas le moment. Merci, Boozer. Ok, je passerai plus tard. Voilà. Ousmane, merci vieux. Je passerai. Je crois que c'était le dernier. Un injecteur du Nero. Pile ce qu'il me fallait. Exactement. J'espère que ce truc contient quelque chose qui valait le coup. Pas de santé ou un peu d'endu? Un peu d'endu. Ah. C'est fou. Déjà plus fort. Un micro enregistreur. Voyons ça. Hé, hey, je suis là pour vous relayer. Eh bien, c'est pas trop tôt. Putain, j'en peux plus. J'ai loupé un truc. Ouais, un truc incroyable. Ce matin, il y a tout un putain de pèlerinage qui est passé. Un quoi? C'est quoi cette histoire? Une putain de secte. La moitié à poil, le crâne rasé. Il y en avait qui avaient de sales coupures. Et il y avait tout un convoi de vannes et de camions de hippies. Oh merde! Je les ai vus, c'est bien. Est-ce qu'ils scandaient des conneries du genre? Ouais, avancez! Soyez libres! Suivez la voie! Un truc comme ça? Ouais, c'est bien eux. Ils se font appeler. Ils ont un genre de messie qui pense que c'est une merde de partie d'un plan. Monsieur, où ils vont, je sais pas et je m'en cogne. Allez, à plus, mec. Ok, qu'est-ce qu'il enregistre? Bon. On va retourner à la moto. Je devrais presque aller dormir, moi. Deux jours, ça sera quand même plus simple, hein. Ouais, petite sieste, t'as raison. Tu as raison. Je suis prêt à m'y remettre.
pourrais voler des mitraillettes ici, c'est sûr, hein. Ça serait certainement plus intéressant pour moi. Mais bon, ça m'embête. Je me dis qu'elles sont pas tellement puissantes. Je vais tirer partout, mais j'en ferai pas mal. Alors voyons voir si je peux courir longtemps. Ouais, quand même, hein. Je commence à voir ce qu'il faut maintenant. Il y a un autre Lénine Roux, j'irai peut-être le chercher. Enfin non, on va aller faire la quête d'abord. Il s'est tiré avec Nomedoc. Moto pour le job? Ah ouais, j'ai peut-être pas assez d'essence. On va aller là. Vous allez ouvrir, oui? Je le connais, c'est bon. Mais, les affaires marchent? Ça va bien? Comment tu vas? Des commandes spéciales. Cool, vraiment cool. C'est tout. Nos problèmes. Il manque 500. Ouais. Quelle tristesse. Salut, mec. Hey, quoi de neuf? On commence à manquer de tout. À plus. Salut. Allez, on y va. Pas très loin logiquement, moins d'un kilomètre, ça devrait le faire. On va aller chercher, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une vieille course poursuite en moto là, ça se sent. Alors, c'est chouette hein, quand même. Le jeu est quand même super beau. Hein. Je comprends pas pourquoi on lui est tombé dessus quant à ses graphismes, ses problèmes techniques. Alors là, c'est sûr, je suis sur PC, je dis peut-être des bêtises hein, sur PS4, c'est peut-être un peu complexe, mais quand même, quoi, le jeu est chouette. Moto, précision des armes. À moto, la précision de vos tirs dépend de vos mouvements et de la distance qui sépare la cible. La taille du réticule de votre arme indique votre niveau de précision. Plus le réticule est petit, plus vous êtes précis. Ok, bon, je vais voir ce que je peux faire. Je suis en route. Où tu vas comme ça, hein? Je te colle toujours au train, salopard. Ok, très bien. Ouais, laisse pas le choix. Route, ralenti, je veux juste causer. Ah ouais? C'est pour ça que te tire ton voix?
Et derrière, moto change de cible. Quand vous pilotez votre moto, appuyez sur LB pour changer de cible. Tu crois quoi, bordel? Si je voulais te buter, tu serais déjà mort. Non, va chier. Je sais ce que t'as fait à Léon et Alvarez. Je peux pas laisser se tirer. Eh ben, oh, tu es parti comme ça. Rancard. Laisse-moi la grappe, Samson. Casse-toi. Attention, il te rentre dedans. Arrête-le. Oh, on passe dans les endroits un peu violents là. Faut que je le protège ou faut que... Hop là. J'ai niqué complètement ma moto, mais je l'ai eu. Bon, bonjour. Comment ça va, mon gars? Tu vois, je t'avais dit que je te buterais pas. Dites, non. J'ai rien fait de mal. Ah ouais? C'est parce que dit Tucker. Quand Léon et Alvarez se sont barrés avec la pharmacie du camp, ils ont oublié de te mettre dans le coup, c'est ça? Non, Dick, non. Non, non, dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Aide-moi à piger le truc. Toi, t'as pris les restes dès que la vieille a eu le dos tourné. Dick, j'ai rien sur moi, ok? Tu peux vérifier. Je crois pas, non. C'est pas mon boulot. Je laisse ça à Alkaï. Ça y est, enfin. Chasseur de primes, objectif, si t'es un meurtrier ou pire et qu'on me paie pour t'éliminer, t'es déjà un homme mort sans Dick, savoir. Le tien. Dick, donc les coordonnées et dis à Alkaï d'envoyer des. Tu sais ce que t'avais fait à Léon, ok, Dick? Il est vivant. Je sens le jeune, allez. Est-ce qu'il avait les médocs? Oui, il est en vie. Dick, non. Si tu veux qu'il le reste. Prie, pitié. On a roulé ensemble tous les deux, on était terminé. Potes. Pitié, pitié. Hey, je ne veux pas mourir. Ouais, me laisse pas là. Allez, s'il te plaît, détache-moi. Bordel, sale jeune. C'est pas le bon. C'est pour la gamine que j'ai amenée. J'essaie de lui remonter le moral. Elle a dit qu'elle en avait une avant. J'en ai aucune idée. Peut-être à la boutique du cratère Belknap. Sinon, essaie Marion Fox. Ouais, ok, merci. Y'a quoi juste là, là? Il y a un truc là, non? Ici à Datucker. Alkaï m'a dit de te dire que le camp est reconnaissant pour ce que tu fais. On a besoin de toute l'aide possible. Je vais regarder ça de plus près. On va soigner surtout. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Je sais pas ce que je cherche là. Dites-moi, du sang ici. Ok, voyons ce qu'on a ici. Je m'en sors bien. C'est ça. La masse serait bien plus durable, moins de dégâts.
je le sens vibrer. La manette, hein. La manette. C'était par là. Ah. Ici. Oui, c'est dans mes yeux. De quel côté? Et voilà. Il y en a du sang. Je suis pas sûr que ça soit une grande idée d'aller ici. Mais je vois quelque chose juste derrière, effectivement. Non, c'est pas ça. Oh putain, monsieur, mais à chaque fois c'est des pièges, c'est foireux leur truc, faut que j'arrête de regarder ça, moi. C'est des pièges à chaque fois? C'est quoi ce bordel? Oh merde, j'ai besoin de mon matos, faut que je le trouve. Ils m'ont laissé mon couteau, normalement, donc ça va. C'est pas violent. J'ai pas pu le tuer, lui. Défonce-le! Défonce-lui le crâne! Ah, il est touché! C'est mon matos qu'il faut que je retrouve. Il est là. Voilà. Donc, on est où là? Juste ici, et il faut remonter là-haut. Zone de pistage. Ici. Je peux nager ou? Ah oui, il nage, Nikon. Putain, par contre... Ah non, mais attendez... Attendez, il peut nager plus de 3 mètres quand même. Non, il peut pas. Bonjour, je m'appelle Nikon et je suis mort comme un con. Je vais pas toucher à cette cochonnerie. J'irai voir une prochaine fois. Par contre, je vais me faire un joli TP pour aller me chercher enfin... Seneso, donc j'ai trouvé un truc pour toi, d'accord. Deacon St. John, ici à Dataka. Alkaï m'a dit de te dire que le camp est reconnaissant pour ce que tu veux. On a besoin de tout possible. Ouais, mais... Je vais pas aller là, je vais aller là. J'ai peur de ne pas avoir assez d'essence par contre, ça va pas le faire ça.
part où je passe. Ça me gonfle de pas suivre. Là, j'ai quand même mis voyage rapide. Ah bah ça, je peux y aller. On va y aller directement comme ça. Mais ça me gonfle de pas pouvoir suivre la bonne zone. On met des zones sur le GPS et puis il ne suit pas quoi. Bougez-vous, allez, j'arrête de me plaindre. Mais ça, c'est chiant. Puis je vais arrêter de regarder par terre parce qu'à chaque fois que je regarde par terre, il y a les boulets qui m'attrapent. C'est un peu chiant. Bon. Ah, tu tombes bien. Ouais, toi tu tombes bien. J'attendais ça depuis longtemps. Alors. Un modèle, nettement plus efficace, surtout à courte et moyenne portée. L'exemple même d'un fusil à pompe de qualité, cadence de tir et dégâts raisonnables. Et ça, c'est un modèle plutôt équilibré, rien d'extravagant, mais il remplit bien sa mission. Le Stinger. Le Stinger, il a une belle cadence de tir, mais peu de dégâts. Toi, ça va mieux ici. T'as plus dans le chargeur en plus. Niveau dégâts, t'es plus intéressant. Niveau portée, t'es un peu moins bien. T'as une belle précision. 2000 par contre. Hein. Puissant, fiable. Il devrait te plaire. Ouais. Toi, tu vas faire beaucoup plus de dégâts. Par contre, tu as une portée un peu foireuse. Mais c'est pas grave. Tu devrais pas craindre grand chose avec ça. Ouais, je suis un peu d'accord. Et j'aimerais bien avoir la possibilité de prendre un pompe en plus. Enfin, je pense que lui, il va me faire autant de dégâts, ça sera parfait. Par contre, t'as quoi? Un chargeur de 4, quoi. Le pompe, il serait beaucoup plus intéressant. Excellent choix. Ok, ok. Je bouge pas. À la prochaine, Dick. On va aller se tester ça. Parce que là, pour le coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais pouvoir comment attaquer va, un peu plus de gens. Attends, je vais y jeter un coup d'œil. Je t'ai fait le plein. Pas de zombies. Hein. Bon, bah écoutez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On va aller rechercher la petite géode, donc. Et on va aller se tester cette arme sur quelques mobs. Au niveau de la compétence. Ah, j'ai un point de compétence. Ah. Cycle vicieux. Tiens, non, ce qu'il fallait que j'aille essayer de faire, c'est maintenant booster la qualité de ma moto pour pouvoir essayer d'avoir un peu plus d'armes. Ouais. Survie. C'est bien, réduire le temps de régénération de l'endurance. Ça aussi. C'est juste ça, par contre. Par contre, tiens, je vais regarder ça.
Silencieux pour une principale, c'est juste les silencieux que je peux augmenter. Là aussi, je peux rien augmenter. C'est pas comme là ici. Voilà, ça y est. Okay. Voilà, on y est. Alors. LT et appuyez sur RT en vous déplaçant avec L, vous stabiliserez ainsi le réticule de votre arme et viserez plus facilement avec LT. Ok. Allez, donc je vais vous laisser. Vous souhaitez à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vaut mieux deux fois qu'une. Et je vous dirai à bientôt. Allez, au revoir.